Merhaba la team, aujourd'hui, pourquoi je fais un suspense? Non, ça sert à rien, wesh. Aujourd'hui, on va comparer des crampons, donc les bas de gamme, tu vois, les crampons les moins chers du marché contre les crampons les haut de gamme des vapeurs, les mercuriales. Attendez, je les cherche. Voilà. Là, en plus, les mercuriales, je les ai reçus, je crois, hier. Ouais, je les ai reçus hier, donc les mercuriales ici. Et voilà, je pense que vous avez deviné c'est quoi? Kipsta, les moins chers, je crois, je les ai eu à 15 euros. Décathlon, et voilà, si on va comparer les deux compos, hein, ça va être une bonne confrontation. D'ailleurs, je vais répondre à une question que je me suis toujours posée, et je pense que même toi tu t'es posé, ou vous êtes posé. Est-ce que les crampons font vraiment le joueur? Est-ce que ça vaut le coup bah, de payer 300 balles, presque 300 balles hein, quand même, 300 balles pour ces mercuriales vapor? Ou au contraire, c'est mieux d'acheter 15 euros, et voilà, ça fait l'affaire. On va voir tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Commencer par le moins cher, hein, les Kipsta. Pour 15 euros, déjà, je sais pas, visuellement, je trouve, ça va. Genre, on a un petit dégradé ici, et franchement, si je donne une petite note sur 10, allez, je vais être gentil. Je vais donner un bon petit 2, 1. Ouais, 2, vas-y, 2. Un bon petit 2 sur 10. Gentil, ouais, je suis gentil. Toi, tu donnes combien, toi, sur ces comptes? Ouais, franchement. 4. 4. Là, je veux une musique épique. Une musique qui vient tout droit de la planète des singes. Déjà, le ticket de retour, parce que je vais l'envoyer, 300 balles. J'utilise juste pour la vidéo, attention. Et merci. Attendez. 300 balles. Oh my god! Wow! Franchement, déjà, attends. Ça va. Déjà, franchement, visuellement, incroyable. Voilà, ça donne un petit coup d'œil. C'est les mercuriales. Hein. C'est fait vraiment pour les joueurs. Qui ont une bonne rapidité. Sur 10, moi je donnerais. Allez, je donne franchement un bon. Un bon 9. Ah lui, tu donnes? Ouais, c'est propre. Hein. Franchement. On a comparé donc visuellement les deux crampons. On va passer maintenant à la partie frappe qu'on attend tous. Peut-être que je mets des top beats avec ça, on ne sait pas. Est-ce que je mets des fails avec ça? On ne sait pas. C'est parti pour la partie frappe. On va commencer la vidéo avec les moins chers. On sent pas en fait le toucher de balle. Après ça va, elles sont pas trop lourdes. Ouais, je vais faire 15 frappes, 20 frappes et on va voir est-ce que je mets des top buts avec ces crampons. La réponse tout de suite. Cadeau, tenez, je vous donne un petit cadeau. C'est bon? Vous l'avez vu? Avec le côté gauche, j'ai un souci. Le problème, c'est que Yannick, il sait que je tire à droite. Du coup, il anticipe. Là, il faut que je tire à gauche. C'est cadeau, bouffe. Mais à chaque fois que je frappe, en fait, je ressens des moulées en dessous. Ça me fait mal aux pieds à chaque fois que je frappe. Allez, on continue encore. Il faut qu'on régale, là. Il faut qu'on régale la communauté. La communauté, elle doit voir des beaux frappes. Pour un joueur qui s'entraîne au moins 3 fois dans la semaine, les crampons, ils sont pas adaptés. Alors, je vous dis clairement, c'est pas adapté. N'investissez pas 15 euros dans ces crampons. Mais est-ce que tu l'as? Tu ne l'as pas. Merci Yannick. Perfect. Déjà sur ces crampons, je sais pas, à chaque frappe que je tirais, ça me faisait mal au niveau du puits. En fait, je sentais chaque moulée, tu vois. Et c'était pas agréable. Et du coup, j'avais du mal à tirer. Mais voilà, j'ai donné mon maximum. Après le dessus, comme j'avais dit avant, hein,
on sent pas la balle. C'est trop épais, du coup, t'as pas de sensation, du coup, t'as moins de précision. Mais voilà, ça fait l'affaire, hein, ça fait l'affaire pour 15 euros. 15 euros, voilà, c'est 15 euros après, on s'attend pas à un truc de fou aussi, c'est 15 euros, wesh. Allez, bon, on va passer au Merculade. Wesh. Ah. Oh. Ah. Aïe, 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 mon doigt. C'est léger, c'est... Chut, tu vois, c'est vite. Bonne sensation au niveau des crampons, rien à dire, c'est léger, ça maintient le pied. Je sens pas de douleur au niveau du dessus de mon pied. Là, on va encore faire 15-20 frappes avec les mercuriales. Est-ce que vraiment les mercuriales, voilà, avec 300 balles, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Comme je défends bien votre marque là. Khalas. Un petit virement. PayPal, ça marche avec moi. Tout marche. Peut-être que je mets des top bits avec ça, on ne sait pas. Est-ce que je mets des fails avec ça? On ne sait pas. C'est parti pour la partie frappe. Comment je peux appeler cette frappe? Comment je peux appeler? Tu te poses dans l'espace commentaire. Comment je peux appeler cette frappe? Comment... C'est un cadeau? C'est une surprise, c'est un Kinder Surprise. Dites-moi dans l'espace. Celui-là, je sais pas encore comment l'appeler. Je sais pas si je l'appelle le petit enfant du cadeau surprise. L'aîné du cadeau. Dites-moi encore dans l'espace commentaire. Je voudrais avoir votre avis sur vous. Là, il a eu vraiment au bout de la main, tu vois, au bout de la main. Elle était puissante la frappe, mais là, franchement, là, tu mérites des applaudissements, Yannick. Merci. Mais non! Avec les mercuriales, j'en vois que des frappes puissantes. Alors qu'avec celle-ci, là, j'en vois que des enroulés. Parce que avec celle-ci, c'est KO de tirer avec en puissance. Je te sens rien! Voilà, je vous demande encore dans l'espace commentaire, écrivez-moi, vous l'appelez comment cette frappe. Je vous attends dans l'espace commentaire. J'en ai marre, quoi. Mais pourquoi? Oh là 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 là. Nike, je pense qu'il est temps que vous me contactez, Nike. Parce que là, j'en peux plus, Nike. S'il vous plaît, Nike. Celle-ci, c'est à rentrer. Allez, on va terminer sur cette frappe. Je vous offre le petit déjeuner. Comme ça, vos parents. Ils sont contents. Je suis content. Le pauvre, sa veste, elle a lâché. Pourquoi tu me regardes? C'est parti. Oh, regardez comme il pleut, regardez comme il pleut. Là, ça mérite un pouce bleu. Là, on va passer au troisième point. Là, les mercuriales, c'est quoi? Elles sont créées pour des joueurs rapides. Une chronométrée sur cette surface-là, aller-retour avec les Kipsta et les mercuriales. On va voir est-ce que réellement les mercuriales, ça fait la diff ou pas au niveau de la vitesse. C'est parti. Alors là, on va commencer par les mercuriales, vu que j'ai les au pied, vu que j'ai pas encore envie de les mettre, comme j'ai galéré avant. Hein, j'ai trop galéré avant. Donc là, Yannick, il va chronométrer à son top. Ouais. Je vais aller jusqu'au trépied, ouais, on va dire au trépied. Je retourne jusqu'à ici. Dès que je franchis la ligne, on arrête de chrono. C'est bon? Ouais, top.
12,65. Et il faut savoir aussi que je suis pas en pleine forme. C'est pas une excuse, mais je suis pas en pleine forme. 12,65, ça va. Ah, on va passer au Kipsta. Allez. Ah, elle veut pas sortir. Non, pas facile. Hein. Oui. 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 C'est bon. Allez, on va mettre. On va mettre les ours. Ours. Est-ce qu'avec les chaussures de mammouth, je vais réussir à battre 265? Sachant que je répète que 300 balles. 300 balles. Mettez-moi un maximum de pouces bleus. Franchement, il faut que je récupère les au moins quelques centimes. Mettez un maximum de pouces bleus pour que voilà, je gagne un peu d'argent et je rembourse les coupons. Oh. Oh là là. Et merci 13-10. Après là-bas j'ai glissé. Moi je glisse des MC. Hein. D'accord, du cardio. Hein. On va s'arrêter sur ça. On va s'arrêter sur 13-10 ça. Pour l'équipe Sta. La différence encore c'est au niveau des moulets, de la semelle. Parce qu'avec l'équipe Sta, j'ai glissé là-bas. Et comme j'ai glissé, j'ai perdu encore du temps. Alors que ça maintient vraiment. Bref, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Perfect. Voilà la famille, on est arrivé à la fin de la vidéo. On a comparé les deux crampons, mammouth à gauche et les mercurial vapor à droite, 300 euros, 15 euros. On sait très bien que ça prend le dessus. Hein. Il n'y a pas photo, 300 euros, c'est pas pour rien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Comme ça, vous me donnez de la force. Et merci. Comme ça, à partager aussi. Mais comme ça, ça me donne de la force pour rembourser les 300 euros. Et partager, voilà, comme a dit Yannick, partager au maximum. Comme ça, vous me donnez plus de visibilité. Et écrivez aussi en commentaire. Ce que vous voulez, écrivez ce que vous voulez, comme ça j'ai un bon référencement. Bref, on a assez parlé, il pleut, là on est tous mouillés. On se dit à la prochaine, ciao la famille.